Kaiba Music ne l'a pas oublié, est l'autographie du parcours exceptionnel d'un artiste ou d'un acteur culturel. C'est comme si vous contempliez dans le miroir la forme, le reflet et les côtés moroses. Ces souvenirs s'expliquent sur Kaiba Music TV, votre chaîne artistique et culturelle. Derrière les caméras, Mo le cadreur et Fatim, à la réalisation, Mohamed Lamine Diarra, derrière le micro, Elvis Dako pour les intimes. Pour commencer, abonne-toi si c'est déjà fait, merci. Un laboratoire retraité à l'usine de Djamou, chanteur et guitariste autodidacte, il est né au Mali, à Kay, et vécu une partie de son enfance au Sénégal, aux côtés de ses parents à Tambacounda. Monsieur Abdoul Keita, alliance Pacheco, est notre invité spécial dans Kaiba Music ne l'a pas oublié. Merci une fois encore, tonton, de nous recevoir chez vous. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Tonton, à Kera Famaïre. Vraiment à Kera Famaïre. Mais tonton, tu m'es heureux du moins. J'étais à Bamako, j'ai fait 32 ans à Bamako. Maintenant, je suis revenu parce que j'ai un peu diabétique, comme ça, pour le soin à Kaï. Je suis revenu dans la famille. Mais tonton, Baby Don, ni toi, mouillé, à Bufon Mako, Pacheco. Mais Pacheco, il est dans la Bon, ça est venu comme ça, brusquement, parce que quand je suis parti au Sénégal, j'ai joué avec l'orchestre sénégalais. J'ai joué avec un morceau de Johnny Pacheco, le portoricain. Le morceau les a appris, il m'a dit que, comment tu as pu avoir connaître tout ça. J'ai dit que non, mais c'est Pacheco, c'était mon idole. C'est pour ça que j'aimais beaucoup sa musique. C'est pour ça que j'ai essayé de le reproduire. Voilà, c'est comme ça que le nom Pacheco, du coup l'or, on appelle Pacheco. Géant. Mais tonton, elle c'est qu'à deux fois hier, parce que moi quand il y a tout mal là. Oui, bien sûr. J'ai commencé la musique d'abord tout au Sénégal, parce qu'on ne m'a pas appris à me lancer. Je l'ai aimé comme ça. On ne m'a pas appris à jouer la guitare. J'aimais beaucoup la guitare. Bon, quand on jouait à côté de moi, je vois. Regardez comment ils font les doigts partir. Comme ça, j'ai appelé à comme ça avec les gens. Je prends la guitare, je fais des grincer moi-même. Bon, c'est que la musique, quand pour faire la musique, il faut avoir une oreille musicale. Qu'est-ce que c'est que l'oreille musicale? L'oreille musicale, c'est connaître les notes et puis les maîtriser. À l'époque, je ne connaissais pas les notes, mais je les maîtrisais mémorialement. Je demandais avec ça, on m'a demandé ça, c'est bon, ça, c'est fort, ça, c'est sombre. Quel genre de musique tonton pratique et quel est l'objectif de cette musique-là? Merci beaucoup. Quand j'étais accueilli avec le Filiassa, je faisais du folklore kassonké et saracolé. Mais arrivé à Bamako, comme j'aime beaucoup le salsa, c'est ma musique préférée, c'est le salsa, il y a beaucoup de musique là-dedans, il y a beaucoup de variétés là-dedans. Et c'est la salsa que j'ai beaucoup maîtrisé et que je joue parfaitement bien. C'est le genre de musique que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé depuis à mon enfance. Parce que quand je suis arrivé à Bamako, et à son homme, mon ami, mon frère, mon grand frère, Ahmad Barry, je suis logé chez lui, celui qui m'amène à l'hôtel de l'amitié à Bamako. L'amitié Bamako, c'est là-bas que Taras jouait, il avait un contrat. Quand je suis venu, il m'a dit que bon, je vous amène un très bon guitariste qui connaît bien le salsa. Alors, il m'a passé la guitare, j'ai joué, toute la salle était totalement. J'étais content. Bon, c'est à partir de ça que j'ai commencé à jouer avec. Il dit que ah, celui-là, je le prends. Immédiatement, celui-là, vraiment, il va plus quitter ici. Bon, c'est comme ça qu'il m'a engagé. On était contractuel, on était payé par moi. En même temps, comme j'étais laboratoire, je me faisais deux boulots. Guitariste, chanteur et laboratoire dans l'usine de Djamou. Donc, cette symbiose, comment tonton Toumbeni, Fla Franyon, quand Tchogodi, c'est qu'à Fla Beka, à Nyama. Ah, bien sûr, bon. Tu sais, quand j'étais à laboratoire à Djamou, j'ai joué à la musique aussi à Djamou. On s'est réveillé à 7h du matin, on allait au boulot, on s'en allait à 18h.
18h, on allait dans la salle de répétition. On commençait la répétition à 20h pour finir à 0h. 0h, on va se coucher le matin. À 6h, on est à l'usine. C'est comme ça que ça se déroule. Il fait mon cadre, mon roi, à Titoro, toujours tu as le temps pour le faire. Est-ce que tu peux citer quelques-uns de tes collaborateurs d'avant et jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais j'ai beaucoup joué avec Madjignan, qui était notre batteur, avec Nadji Devena, qui est décédé, Massiri aussi, qui est décédé. Moi, j'ai joué avec mon frère, mon ami Beka, qui était le chanteur. Bon, j'ai joué avec Moussa Djan, qui était l'organiste de CAI. Ensuite, il y a Bamako, maintenant, c'est avec l'orchestre Taras, avec Ousmane Togo, qui était notre batteur. Celui qui m'accompagnait, Terra. Il y avait aussi Yaya Koulibaly qui m'accompagnait, qui était enseignant de profession. Et Terra, c'est lui, il est ingénieur de profession. Parce que dans l'orchestre, tout le monde travaillait, tout le monde était bon. Mais on avait deux ou trois personnes qui étaient de chemin, qui ne vit que la musique. C'est comme ça que j'ai fait 32 ans en jouant avec Taras. On a été un peu partout, on a fait une tournée à travers la France. On a fait au moins 10 pays, 10 régions de la France. On a été un peu partout. Mais de retour à Bamako, on avait fait faire un contrat pour aller en Chine, mais on n'était pas d'accord sur la somme. Quel conseil as-tu à donner pour la nouvelle génération? Ce que je leur conseille, tout ce que tu fais, il faut l'aimer d'abord. Et quand tu fais la musique c'est quelque chose, c'est très important la musique. Je ne peux pas faire la musique parce que je fais la musique pour séduire une fille, pour avoir de l'argent avec un commerçant ou avec n'importe quel. Quand tu fais la musique, il faut le faire, il faut l'aimer d'abord. Et quand tu écoutes le chanteur, quand tu chantes, ce que tu sens, il faut le sentir. Si tu le sens, ce qui te coûte, ça va le connaître. Mais quand tu le joues, là comme on dit, ça ne dit rien. Mais il faut d'abord le sentir ce que tu fais. Il faut que le cœur le sent. Si le cœur le sent, ce qui te coûte, évidemment, ça passe. Tonton, Owerka, inspiration tombe Bora Juma. Tu as bien parlé, fiston. Moi, je m'inspire. Parce que j'aime beaucoup le salsa, je m'inspire sur le salsa. C'est une musique, il y a tout là-dedans. Il y a du jazz, il y a plusieurs musiques là, il y a plusieurs sources de musique là-dedans. Il suffit seulement de le développer. Donc, je m'inspire sur le salsa. Bon, est-ce que tonton, ta carrière qu'on a là, depuis qu'on phobie, tonton, sera qu'à collaboration sur on y est artiste Oudou. Je crois que je t'ai montré la photo, j'ai joué avec l'orchestre Aragon à Bamako. Ils m'ont même promis ils doivent tout faire pour m'amener au Cuba. Parce que j'ai joué avec eux, c'était vraiment. J'étais étonné comment j'ai pu avoir ce don à la guitare et puis pouvoir les accompagner ainsi. Je t'ai montré la photo, je crois que tu l'as vu. Voilà. Bon, depuis lors. Après, maintenant, la maladie est venue. Là. J'ai fait quelques mois à l'hôpital. Maintenant, vraiment, ça va. Je suis rentré au Bercail, tout va bien. D'ailleurs, je crois que si tout ira bien, j'essaierai de former en bonne tête ceci. J'essaie de les former, mais avec beaucoup de répétitions. Parce que je n'aime pas les musiciens qui boivent. Quand tu joues la musique, de laisser ta guitare aller boire et puis de laisser le sang aller boire. Kaya, orchestre régional B. Donc, orchestre régional RR, il s'est qu'à conseil du Mandouma, et il n'y a pas orchestre régional là, Tchoukoudi. Parce qu'il y a encore Wurati Kounou, Anne B. Quel est-ce que vous avez dit? Vraiment, j'étais un peu déçu. Quand je suis un peu déçu, parce que quand ils font de la musique, ils ne le font pas, je sens qu'ils ne font pas ça pour eux-mêmes. Ils font ça pour le public, pour avoir de l'argent. L'argent, c'est bon. Mais quand tu fais quelque chose, il faut les mettre d'abord. Il y a des gens qui viennent pour écouter de la musique. Mais quand tu écoutes la musique, tu les vois assis et tu prends le nom pour qu'ils te donnent de l'argent. Ça les gêne de fois. Il y a des gens qui sont vraiment gênés à aller s'asseoir
Et puis, on peut toujours les chanteurs bien leur nom pour chanter les lois et tout ça là. Bon, ça les déprime de fois, d'abord ça les énerve, mais il ne faut pas le dire. Bon, tout ce que je le conseille, laissez les clients paix et aimez votre musique et chantez normalement. Si c'est bon, ils viendront de l'argent sur ça. Si c'est pas bon, ça dépend de vous-même, parce que ce que tu dis, il faut le sentir toujours. Il faut toujours sentir ce que tu sors dans ta bouche. Il faut l'aimer, il faut que le cœur sente tout ça. Les Béfoula, vraiment, mission d'Iranien. Kaïkoni, vraiment, il y a beaucoup de musique ici, il y a beaucoup de sons. Parce que Kassoukaoubé, Sarakoloubé, Kombébé, il y a des choses qu'il faut, on peut bien beaucoup l'exploiter. Il y a de très bons musiciens à Kaï. Mais seulement, il faut être discipliné. Il faut aimer ce que tu aimes, sincèrement. Ne fais jamais la musique parce que tu fais la musique pour avoir de l'argent, pour avoir une fille, ou quelque chose. Il faut le faire, il faut l'aimer d'abord. Il faut le faire, il faut que le cœur commande d'abord. Tout ce que je leur demande, c'est que vraiment Kaï, vraiment je le souhaite. Seulement, je le demande de tout ce qu'il faut avec un fait avec un calife. Parce que Kaï, c'est l'avenir du Mali. Kaï, c'est l'avenir du Mali. Peut-être à Tekamina, mais en tout cas, il y a un mot. Kaï, c'est l'avenir du Mali. Donc, avec Kaï, il y a une mission finale. Il y a une mission finale que nous avons. Il y a une mission finale que nous avons. Il faut le faire avec Kaï, il faut le faire dans la discipline. On était sur Kaïba Musique TV dans l'émission Kaïba Musique ne l'a pas oublié avec tonton Abdoul Keïta Alliance Pacheco. Merci tonton une fois encore donc, de nous recevoir chez vous et j'espère que Chien Warafana, donc si l'occasion se présente à Mena et puis à Mbé Ala Delifana, Allah Ka Ime encore Harbi. Continuez à vous abonner et restez toujours fidèles donc, sur Kaïba Musique TV. Derrière la caméra, Mou le cadreur et Fatim. Et le mic Elvis Dago pour les intimes à la réalisation. Mamadou Lamine Diarra. Ciao, ciao.